one yeah. Que Mimito révèle un deal entre le gouvernement et le Parti démocratique sénégalaise sur le retour de Karim Wade. Écoutons l'ancienne première ministre du Sénégal. Un problème avec euh, votre participation à cette plateforme, c'est le euh, PDS. Euh, parce que, évidemment, lorsque vous étiez ministre de la Justice, euh, vous euh, avez mené, si j'ose dire, les poursuites contre euh, Karim euh, Est-ce que, euh, comme vous avez laissé l'entendre, vous pensez euh, que c'est la raison principale ou est-ce que euh, vous soupçonnez euh, qu'il y a des négociations en coulisses entre Macky Sall et le PDS à propos de Karim justement mais bien, sûr, mais bien sûr, le PDS a été au pouvoir pendant 12 années. Ils savent très bien qu'un ministre de la Justice euh, travaille euh, voilà, en droite ligne, euh, des instructions également qu'il reçoit du, du président de la République qui définit la stratégie judiciaire. Ça, c'est très, très clair. Euh, ils ont été au pouvoir pendant assez longtemps pour le savoir. Ce qu'il faut également dire, c'est que le PDS, euh, c'est. Euh, disons, ne s'est jamais joint aux initiatives de l'opposition à l'Assemblée nationale. Il y a eu trois initiatives, l'une... Il s'agissait de la mise en accusation des ministres qui ont été ciblés par un rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds du Covid. Le PDS n'a pas voulu se joindre à cette initiative. Il y a eu une motion de censure en direction du gouvernement. Le PDS ne s'est pas joint à cette initiative de l'opposition. Et le PDS a aidé le, la majorité, enfin le, le groupe de l'Assemblée nationale du président Macky Sall à faire passer ces lois. Donc c'est quand même des indicateurs et des pointeurs assez clairs euh, ce qui se joue et nous le, ça se sait parce qu'en politique tout se sait. Le PDS est en négociation avancée avec le président Macky Sall et voilà je ne sers que, que, que d'arguments euh, fallacieux puisque on n'aura jamais vu un parti euh, dire euh, je m'oppose à une personne euh, voilà pour, euh, pour et rejoindre est quoi, le deal ou pas que, l'opposition. Quel serait le deal, ça c'est Quel serait le deal entre les deux Bah ben, tout, tout, tout le monde le sait, c'est l'amnistie de M. Karim Wade qui est en question. Euh, c'est de cela qu'il s'agit. Mais lui, il la refuse. Parce que, euh, hein. voilà. Alors... Oui, enfin, bah, bon, il y a eu l'annonce, euh, justement, d'une amnistie qui a été faite par certains euh, voilà, euh, dirigeants du pouvoir, y compris le ministre de la Justice. Et bon, le, ça se fait attendre du côté du PDS. Donc, évidemment, mieux vaut ne pas être radical, ne pas être dans une opposition radicale pour obtenir. Euh, disons, cette, cette amnistie. Mais euh, on peut pas, on n'aura jamais vu un parti s'opposer à une personne. Ce n'est pas une question de personne, la justice. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'assume parfaitement les tâches que j'ai eues à assumer comme ministre de la Justice à l'époque. Euh, voilà, c'était euh, la reddition des comptes, la bonne gouvernance, et c'est fondamental euh, pour nos États africains. Euh, on ne saurait se développer en continuant justement à ne pas utiliser. Nos ressources euh, voilà, de, manière, euh, de manière juste et honnête. Euh, donc, de ce point de vue-là, j'assume tout à fait ce que, ce que j'ai eu à faire sur les instructions, évidemment, euh, du président de la République, comme j'ai dit, qui définit euh, euh, voilà, la stratégie judiciaire. Aminata Touré, dernière question, évidemment, la question se pose l'élection présidentielle, est-ce que vous allez y être candidate On vous a entendu dire que vous y pensiez, euh, mais évidemment, il ne suffit pas d'y penser il faut s'organiser. Où en êtes-vous ben, C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis passé à l'étape de déclaration de ma candidature le 1er janvier 2023 et je m'organise à mettre en place justement mon mouvement et ma coalition MIMI 2023. Et je m'ancre également dans l'opposition autour des forces vives, démocratiques, politiques qui s'opposent au troisième mandat. Et, et voilà, je considère que le Sénégal est effectivement prêt à avoir une femme présidente parce qu'au fond, ce n'est pas une histoire d'homme ou de femmes, c'est une histoire de vision et nous avons une vision à partager avec, avec les Sénégalais. Aminata Touré, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis New York. Merci à vous d'avoir suivi cette émission sur Nos Antennes. 嗯。